What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tu m'as perturbé. Nouvelle vidéo. Incroyable. Complètement euphorique. Complètement euphorique. Pour le coup, parce qu'on enchaînait des dingueries sur la dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vu. Dinguerie sur dinguerie. Et puis, bah, allez la voir, allez la voir. On est fou. On en a encore 6 à tourner. Voilà, il y a eu genre de trucs comme ça. Elles sont là-bas. Elles n'ont pas 10 et demi, elles ont 9 et demi. Des cartes tirées du paquet. Et tout de suite, on enchaîne. La troisième boîte. La troisième boîte, PCA. Juste là. Ça donne envie. Qu'est-ce qu'on va encore avoir? Quelle dinguerie. Il va y avoir de la pléiade de fantômes dans les prochaines vidéos. Des fantômes, du lourd. Du très 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 très. Et encore du DP. Ça va être très long. Encore du DP. Peut-être du DP. Ah, vas-y, reverse. Il reste mon style Chris Reverse de souvenir. Il me reste. J'en ai l'ouvert du DP pour toi. Il me reste des trucs encore. Peut-être encore une holo DP. On verra bien, de toute façon. On verra bien. Les vidéos sont là pour ça. Pressé. En tout cas, posez-vous. On est parti. Hop, je remets ça devant, évidemment. On cache le crifolet. Et on est parti avec, évidemment. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Une petite rose qui était déjà dans la première réception. PC à 10, elle a eu. Donc là, on va pas faire mieux. Mais ça aurait été chaud. Par contre, 9 et demi sur du soleil et lune de base. C'est vrai. Soleil lune de base, j'ai le souvenir, c'est du 8 et du 9. Hein. Honnêtement, là aussi, plus que soleil lune de base, en général. 2017, ça fait 5 ans. On connaît l'histoire de soleil et lune. Énorme pour le coup. Super. Pour le moment, on commence très fort. J'ai pas foiré la note, si je le foirais. Si foiré. 9. Joli. Fais bien checker l'effet. Ouais. Le Ptera de Harmonie des Esprits, je le trouve incroyable. Pour le coup, honnêtement. Harmonie des Esprits, je me répète, c'est super chaud à voir. Voilà. Et bon, 9, très good. Elle est super belle avec les effets derrière. Ils ont bien réussi le terrain. J'aime beaucoup les Pokémon fossiles. J'ai farmé comme un enculé dans les souterrains, honnêtement, dans Diamant et Perle, pour aller choper du Charcos, Ramaldo, des choses comme ça. Les Pokémon fossiles. Les Pokémon du Bloc X, peut-être. Lilia, Vasilis, vous êtes les meilleurs. Voilà. Oh, cette qualité de carte. Oh là 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 là, on a toujours 109. Check ça. Alors là. Oh là 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 là. Énorme. Avec l'effet quadrillé derrière. Ouais, c'est cubique. Qui n'aime pas cette carte? Qui n'aime pas cette carte? Mais en fait, c'est une vraie secrète, quoi, vraiment. Bah, tu la tires, t'es au courant que c'est ta secrète du paquet maintenant. Enfin... C'est pas ta secrète VMAX qui. J'en peux plus, mais voilà. Enfin, ouais. Vraiment fabuleuse. Wow. Elle est pure, c'est la tueuse. Émerveillée devant des fantômes, et qui, comme on dit, enfin, vraiment, c'est notre plus grand choc, peut-être, pour nous. C'est là où on se rend compte que vraiment, on a grandi, pour le coup, avec ces cartes. C'est qu'on a fait ça, on était en terminale, première terminale, en gros. Et là, moi, je suis vraiment en L3, vous voyez, donc ça a bien évolué. 2018, et c'est pas le même effet encore un peu plus. C'est Tempête Céleste. Ils ont fait évoluer, parce que les cartes après, à partir de SL8, SL9, pardon, donc là on est sur SL8, avaient beaucoup moins d'effets. Ouais. Justement, beaucoup moins de relief surtout. C'est surtout ça. Ouais. Et là. Facile. Facile. Articodin. Qu'on a eu. En shiny, en SV. En shiny, dans l'autre vidéo. Donc, allez tout de suite la voir. Comme ça, vous aurez le comparatif, laquelle des deux cartes a la meilleure qualité. Et laquelle vous préférez, tout simplement. Voilà. Dans les commentaires. Bravo, voilà, merci. Je suis payé gracieusement, donc. Incroyable. Non, voilà. Mais dites-le pour de vrai. Elle est fabuleuse. Oh là 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 là. Ça me fait penser vraiment à l'effet vitrail. C'est ce que je veux dire. Elle me fait, mais elle fait penser à celle de l'ETB. Ouais, oui, c'est exactement ça. Bah, voilà, pour le coup, incroyable. Bon, Articonin, elle a un gros plus. T'as une voilà, 9,5, 9,5, 9. Ok, donc il y a plus le temps. Il y en a juste plus le temps. Électrode. En fait. Ah, du 9. Bon, ça va, c'est un électrode. Mais elle est pas si mal avec les effets. Il y a juste pas la place pour l'effet sur la carte. En fait, ils ont réussi à nous faire un gros électrode là quand même. Bien. Il n'y a pas la place pour l'effet, il prend toute la place. Voilà. Mais au moins, tu vois le Pokémon, t'es au courant de ce que c'est. Tempête Céleste, on est vraiment sur du Tempête Céleste, hein. C'est énorme. Et on enchaîne sur du Tempête Céleste. Il n'y a que du Tempête Céleste, là. 9,5, 9, ok. On est sur de la qualité, hein. On est du 9, du 9, du 9,5, c'est... Ça fait tellement plaisir. Très dynamique, comme carte, honnêtement. Alors, c'est pas mes cartes que je préfère, honnêtement, Brésigali. Moi non plus. Je n'aime pas Brésigali. Moi, j'aime bien, parce que c'est le bloc X. Voilà, mais complètement vie personnelle, mais voilà. Comme des cartes qui sont balèzes, hein. Honnêtement, faut le dire, là, faut y aller, quoi. Tangalis, que j'aime pas mal. Ouais, j'aime beaucoup, j'avais tiré, je sais plus si j'ai, je crois que j'ai dû l'échanger ou un truc comme ça. Peut-être en à l'avenir.
Très très Tempête cool. Céleste, celle-là je l'ai tirée en vidéo, non pas en vidéo, je l'ai tirée de mon côté, 9,5, voilà, c'est tiré, On a c'est 9,5, c'est que tout. des dingueries. Donc PCA a vraiment reçu le chèque, du coup, finalement, qu'ils ont Oui, c'est top encaissé. ça. Ça, c'est vraiment cool. Merci à PC en tout cas. Voilà. On aurait dû mettre un peu en plus pour qu'ils mettent des 10 quand même. Bah ouais, on met un 0 à la fin, comme ça ils rajoutent un 0 sur la note. Comme ça on a vraiment à 95,0 pour les Ouais. 9. Ah, c'est une bonne note sur 10, Bah hein. c'est pas mal, ouais, C'est je pas pense. mal. Ça fait pas mal, quoi. Oh. Alors elle est épileptique. Promo de Soleil Elle Lune. est hallucinogène. Attention, je vous la montre bien. Ah oui, promo. Eh, c'est les promos J'ai oublié les promos. du Il y en a une. coffret, ouais. Eh ouais, pour le coup. Ouais, un 9. petit 9. Bah là, c'est pour du coffret. Il me semble qu'on l'a déjà vu sur ta chaîne. Je crois que je l'avais déjà Non, là, t'es envoyé, sous l'effet peut-être, de je sais plus. l'hypnose, à mon avis. Là, je sais Là, plus. t'es sur l'effet de l'hypnose, Ouais, je suis sur écoutez-moi l'effet de bien. l'hypnose. PCA, vous allez nous mettre que des 9,5 désormais. Écoutez ma voix. Non, incroyable. Magnifique. Exceptionnel. Bon, il nous en reste encore là, des petites cartes. Je vous spoil la note. C'est pas eu la Je vous note? spoil la Oui. note. Oh, le haut du truc. Oui, ok. Elle déjà envoyée et on l'a eu en 9,5 sur la chaîne. Ça, par contre, j'en suis sûr. Ok, cette fois le Donc promo. allez voir toutes les vidéos, PCA, vous la trouverez bien Voilà, et vous jour nous ou dites dans les commentaires si je vis de flash. l'autre. Non, incroyable. Elle est sympa là-haut. Puis oh, quel Pokémon aussi. Pokémon du jour. Avec la tour cendrée. Oh, voilà. Regarde toutes Magnifique. les vidéos, blablabla. Hop, Sivalier. De Invasion Karma, alors là, anachronisme total, on est perdu. Ouais, Invasion Karma, quoi. Ouais, mais quand même stylé. Ouais. PCA 8, elle a eu ce qu'elle mérite, la pauvre. Pourtant, l'effet est stylé derrière. Non, mais l'effet stylé, Puis mais. Sivalier est pas mal, en fait. Sivalier est plus beau dans Eclipse Cosmique, je trouve. Ouais, non, mais avec Gladio. Gladio, Non, voilà. non, mais s'il vous plaît, Éclipse cosmique. Et on va peut-être avoir du Éclipse cosmique. Pas tout de suite. Pas tout de suite, faut attendre un petit J'aime bien peu. les Grotonnements. Honnêtement, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. T'as fait quoi? C'était une double. Ah, mais tu l'as trouvé dans les égouts, c'est pour ça. Elle a pris cher. C'est pour ça. Donc ça s'explique dans ce Voilà. cas-là. Bon, très joli. Du coup, je vais la remettre dans les égouts. Je pense que je vais la libérer. Hashtag libérer les égouts, du coup. Et pas libérer les oiseaux. On va passer tout de suite à la carte Ok, suivante. non, c'est pas grave. Merci PokéVS 38 en tout Non, cas. de rien. C'est non, d'accord. Fait mal à la tête. Hein. Waouh! Du Si. coup, on augmente de... Du coup, là, le troisième, il a 9. Et le quatrième, il a 9,5. Et le cinquième, il a 10. Et le sixième, il a 10 plus! 95,5 si vous Ok. réussissez. Ok. Ok. Bon, bah. Quel est votre préféré? Moi, personnellement, c'est le 7. Je préfère le Moi 7 aussi, au c'est le 8. 7. Voilà. Bah, les 7 cotent plus que le 8. Vu qu'il en existe moins. Ah, bien vu! Eh ouais, arrêtez cette manipulation là sur du 9,5 et tout ça. Ce qui vaut vraiment cher, c'est du PCA 4. Vous avez déjà vu du PCA 4? Non. Ben voilà. Population Oh, zéro. voilà. Donc nous, on va vous proposer des trucs de fou bientôt. Chien d'os. PSA 4, ça? Oh! Allez, PSA 4? Oh non, mais Dokopisco, s'il te plaît, Allez, quand excusez-moi, même. j'étais là-bas. Ah, elle est fabuleuse. Elle est vraiment belle, cette carte. Elle est vraiment sympa. Non, elle est incroyable. Bon, c'est la 7. Là, t'es nous flingue la vidéo là. Flingue la vidéo. Non, elle est Ah, vraiment elle est belle. fabuleuse. J'adore Togo Pisco. D'ailleurs, je vais l'envoyer. Je l'ai envoyé, je crois. Je sais La plus. mienne. Mais elle est déjà aussi apparue sur la chaîne, je suis sûr. Elle a dû avoir 9, 9 et demi. Oui, mais du coup, vous la reverrez une troisième fois. Parce... Enfin, pas les mêmes, parce qu'on va pas Mais. déclipser nos cartes. Enfin, on libère pas les oiseaux H24. Enfin, on libère pas les oiseaux tout court. Libérer les égouts? Oui, voilà, pardon. On est Pardon, d'accord. excuse-moi, je suis en train de plagier les choses. Là, ils vont comprendre après ce que je dis. Ils vont comprendre, ils vont comprendre. Terrible. Non, non, T'as rien dit, t'as rien dit. on libère pas les égouts. Du coup, Dokobisco, Magnifique. On magnifique. va sûrement la revoir du coup. Voilà. C'est le petit message. Ouh, le Dracaufeu, ombre ardente, la carte a une bricasse. Est-ce que tu vas nous pourrir la vidéo? Tu vas avoir un joli PC à 6. Est-ce Pour un que tu vas 4? vraiment avoir un 4 et là ça vaudra 15 000 euros? 25 000. Ou est-ce que tu nous fais la dinguerie à 9? Non, je plaisante. Bah du coup, la dinguerie à 9? T'en penses quoi? Nous fait la dinguerie à 9, le Bon, je gars. te fais la dinguerie à 9? Le gars nous fait la dinguerie à 9. Je mérite un petit check ou pas? Ou c'est trop de dinguerie pour un check, tu me dis? C'est une dinguerie quand même. Hein. On check du coup? Ombre ardente, On check? faut aller les chercher. Allez, on Allez, on check. check, Bien joué. yes! Oh Let's go, putain. hein, c'est Ah, impossible. sur la carte la plus cotée, on va dire. Ouais, d'ombre ardente, ouais. Celle-là, je l'ai cherchée, hein. Elle est Putain. insupportable à avoir en aussi bonne qualité. Elles sont coupées à la serpette. Rien. Je remercie. L'entreprise de gradation. Oui, c'est la mienne, par contre. Ah oui, merde. La dernière carte de cette vidéo. On est sur une. On est sur un drame. Je sais laquelle c'est. Est-ce que.
Ah non, C'est elle. c'est elle. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, les amis, on a eu des embrouilles avec PCA et cette carte a été celle qui a catalysé les embrouilles. Parce qu'il nous avait noté cette carte qui était pliée. Enfin, en fait, non. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je vais essayer de le. Voilà. Voilà, on voit bien en haut à gauche. En gros, PCA nous avait plié cette carte. Oui. Quelle chance. Heureusement que c'était un Drayol fantôme. Parce que là, si on peut réplier le truc. Enfin, bref. Du coup, ça a merci créé à PCA, des petits temps. Problèmes. Et en fait, ils lui ont racheté et elle avait eu 9. 9, donc merci à eux. Sauf que cette carte-là avait été notée 8, alors que ça ne vaut pas 8. Et notée du coup, 8 en étant pliée, parce qu'ils l'ont pliée pour la certification. Ouais, enfin, voilà. Ouais, enfin, après certification. Le seul problème, finalement, qu'on a eu, notamment avec PCA, sur ça, enfin, sur la qualité. Du coup, ils nous l'ont renvoyée. Est-ce qu'elle a encore 8 ou est-ce qu'ils nous l'ont regradée? Parce qu'une carte pliée à 8, ça fait quelques soupçons, donc. Est-ce qu'ils nous l'ont laissé en collector à 8? Ou est-ce qu'ils ont brisé le mythe? Est-ce qu'ils ont marqué Miscut by Poké PS, un truc comme ça? Attention. Telle est la question, tout de suite. Les amis, après un an de guerre et de sang qui ont coulé, voici la note que vous découvrez avant moi. Elle a PCA 6. Ils ont fait un hold-up. Donc, on va porter plainte. Ok. Bon, c'est l'édit. En vrai, ça nous fait marrer parce que cette histoire est et vraiment. Et 6 sont pliés? C'est énorme en fait. Ouais mais après et tous les autres après, trucs. Après la carte elle était neuve. Honnêtement à juger c'est chaud tu vois. Parce que honnêtement elle est neuve à 85% de la carte. Du coup une pliure ça fait que moins 2 du coup. C'est quand même pas mal hein. Bah oui. Si la carte de base elle vaut 10. Du coup, si on refait une pliure là peut-être qu'on passe à PCA 4 et là c'est vraiment rare. Et là PCA 4 là. Là, l'état correct mon gars on est milliardaire. Là milliardaire. Hein. Milliardaire. Voilà. C'est Drayol. Incroyable, on une est très content de finir folie. Sur ça. Je vous laisse quand même sur peut-être la carte de la vidéo, honnêtement. Et en espérant que cette vidéo vous a plu. Là, on était sur du full RMO. Là, on s'est bien fait plaisir. En espérant que ça vous a bien fait plaisir. Ça fait deux fois le mot plaisir dans la même phrase. Du coup, ça fait trois fois plaisir. Et donc, quatre, ça fait quatre fois le même mot. Quel mot particulier? Non. Sur ce, les amis, rendez-vous dans 2 semaines pour du très lourd, une nouvelle fois pour une 4e réception PCR. Nolan, mot de la fin. Plaise.